Charles, we get around. Talking about my generation. This ain't too awful. Talking about my generation. Hope I die before I get old. Talking about my generation. Oui les gens, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir et l'immense honneur de vous présenter le tout premier épisode de notre nouveau concept, La Genèse, dans lequel je vais décortiquer et vous expliquer à chaque fois la naissance d'un phénomène. Vous avez vu, j'ai fait tomber le masque aujourd'hui pour cette vidéo, mais je vais faire quand même en sorte au montage que mon visage ne soit pas visible. Et le sujet du jour est... le mouvement punk. Je vais donc vous parler aujourd'hui de la naissance du mouvement punk et vous résumer les circonstances qui ont accompagné son émergence. Et c'est un sujet, je pense que vous en douterez un petit peu, peut-être, qui me tient particulièrement, très très particulièrement à cœur. Alors quand même, avant d'attaquer, un petit avertissement, cette vidéo elle a pas pour but, et moi j'ai pas pour prétention non plus, d'être exhaustive, et je vais forcément oublier des trucs, en omettre d'autres, et peut-être aussi que mon analyse, ma lecture des événements, elle conviendra pas à tout le monde, elle sera pas partagée par tous. Mais bon, rappelez-vous que je ne suis ni journaliste, ni historienne, ni sociologue, ou j'en sais rien, et qu'on est sur une toute petite chaîne qui est suivie par des gens qui connaissent pas forcément ce sujet en général. Donc je vais essayer de vulgariser, de simplifier pour que ça reste accessible à tous. Et je vais aussi devoir résumer pour que la vidéo ne dure pas des heures. Donc si des puristes passent par là, soyez indulgents. Merci. C'est bon pour vous jusque-là? Alors allez, c'est parti, on y va. Mais dis-nous, Lox, avant de commencer, les punks, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui ont des crêtes, qui portent des perfs, des vêtements abîmés, destroy, crade. C'est les gens qui se déchirent la gueule H24. C'est les gens qui font la manche en gueulant sur les passants. C'est les gens qui se lavent pas, qui puent, qui se battent sans arrêt. Ou est-ce que c'est les gens qui écoutent de la musique punk, tout simplement? Eh ben, je vais peut-être vous surprendre, mais pas forcément. On peut être punk sans rentrer dans tous les clichés que je viens de vous lâcher. Et même, on peut même être punk sans rentrer dans aucun de ces clichés-là. Bon, peut-être à part la musique, quand même. Oh. Et on peut même rentrer dans tous les clichés que je viens de vous lâcher, sans être punk pour autant, d'ailleurs. Ça me rappelle des gens, ça. Bref. En fait, enfin, pour moi, en tout cas, être punk, c'est avant tout un état d'esprit, une mentalité, avant d'être un style musical ou une mode vestimentaire. Et d'ailleurs, comme on dit chez nous, la crête ne fait pas le punk. Ou encore, la crête, c'est d'abord dans la tête. Être punk, pour moi, c'est porter un certain regard sur le monde, sur la vie, sur la société, sur les relations sociales aussi. Une vision de l'égalité, de la solidarité. On peut même dire de la justice d'un côté, donc pas telle qu'elle est appliquée dans la société, mais une certaine vision de la justice. Et c'est aussi, bien sûr, un rejet du conformisme, de l'autorité, du pouvoir, de la hiérarchie, et surtout une recherche constante du sentiment de liberté. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Après, c'est compliqué à résumer comme ça. Mais surtout pour moi, qui aime pas trop catégoriser les choses, rentrer dans des cases et tout. Mais disons que ça s'explique pas vraiment. Être punk, ça se ressent, ça se vit, on va dire. Ça fait un peu nier, mais voilà. Et dans le fond, de mon point de vue, en tout cas, j'ai tendance à penser qu'il y a toujours eu des punks, finalement. Après tout, Brassens, c'était déjà un punk, non? Et avant ça, Rimbaud, c'était un punk. Et ça se trouve, pendant l'Inquisition, il y a même des gens qui ont fini au bûcher parce que c'était des punks, finalement. Mais à une époque donnée et dans un certain contexte donné, le mouvement punk est né officiellement, on va dire. En gros, les gens qui se sentaient punk dans l'âme
ont eu plus facilement la liberté de s'assumer. Donc ça s'est amplifié et surtout revendiqué pour finir par exploser à la tronche de la société, en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là qu'un nouveau style musical, et même artistique de façon générale d'ailleurs, ainsi qu'une nouvelle mode vestimentaire sont apparues, comme pour officialiser le mouvement punk quelque part, et regrouper ses partisans autour d'une culture et de goûts partagés et représentatifs. Donc, quand je parle de genèse du mouvement punk, c'est à ce moment-là que je fais référence. Celui où le mot est apparu et où des gens ont commencé à se revendiquer punk. Et du coup, le moment où une culture intemporelle est née. Alors, il faut savoir que j'aurais du mal à vous parler des racines et des origines du mouvement punk si j'évoque pas avant le mouvement skin. Donc là, je me doute qu'il y en a peut-être 2-3 qui vont un peu s'agiter dans le fond de la salle et qui vont se dire « Ouais, moi, les skins, je connais, c'est facho. » Alors, on se calme, on se rassoit. T'inquiète pas, je vais t'expliquer ça de la façon la plus claire et la plus concise possible. Et on va essayer de remettre ensemble les pièces du puzzle dans le bon ordre. Et tu vas voir que c'est pas forcément ce que tu penses. Tu risques d'être surpris. Mais alors dis-nous, Lox, les skins, qu'est-ce que c'est? Eh ben allez, grimpe dans la genèse mobile, je vais t'expliquer. Je t'embarque. Alors, je vous resitue un petit peu. On est en Angleterre dans les années 60. Piou! Deuxième petit avertissement. J'avoue que je m'appuie sur mes connaissances personnelles, sur ce que mes potes m'ont appris au cours des années, mais aussi sur les films ou documentaires que j'ai pu voir avec et grâce à eux. Donc je suis pas à l'abri d'un petit cafouillage, mais je vais faire au mieux. Et de toute façon, au moment où je sortirai la vidéo, je vais essayer de vous trouver quelques sources pour vous mettre tout ça en description. Et comme ça, si ça vous intéresse de vous renseigner de votre côté, d'approfondir un petit peu, ben vous aurez des choses fiables et concrètes sur lesquelles vous appuyez. Donc bref, on est donc en Angleterre, aux alentours des années 60, et là il y a une vague d'immigration qui arrive de la Jamaïque. Et donc tous ces immigrés jamaïcains, ils vont intégrer la classe ouvrière anglaise, et donc ils vont constituer en gros la nouvelle main-d'œuvre anglaise. Alors ces gens-là, ils écoutent du reggae, et du fait de leurs origines et de leur culture, notamment musicale, et de ce qu'ils vont découvrir dans leur nouveau pays, et ben paf, ça fait le ska. Donc encore une fois, voilà, c'est très simplifié, très vulgarisé, j'essaie de résumer au maximum. Et c'est comme ça que les skins vont naître. Donc de ces immigrés jamaïcains qui écoutent du reggae, qui inventent le ska, qui évoluent au sein de la communauté prolétaire anglaise, et cette culture skin qui émerge donc de cette façon en Angleterre, elle va pas se limiter aux ouvriers d'origine jamaïcaine. Non, non, non! Ils vont la propager autour d'eux, de sorte que bientôt, elle atteint une partie des quartiers ouvriers et populaires anglais, sans distinction d'origine. Alors là, juste un petit aparté, si certains se disent « Oui, mais le foot aussi, ça fait aussi partie des racines du mouvement skin », ben justement, si je vous en parle pas, c'est que je suis pas sûre. Je sais que le foot et l'esprit hooligan, ils se sont inscrits également dans l'identité skin, effectivement, mais il me semble que ça arrivait bien après, et je pense pas que les premiers skins dans les années 60, ils s'intéressaient particulièrement au foot. Ni que ce sport faisait partie intégrante de leur culture, en tout cas. Donc c'est pourquoi, dans le doute, j'en parlerai pas plus maintenant, et on reviendra là-dessus plus tard. Mais après, s'il y en a parmi vous qui sont plus calés à ce sujet et qui peuvent nous renseigner un peu mieux là-dessus, franchement, ça serait cool de nous éclairer là-dessus dans les commentaires. Donc là, pour vous dresser grosso modo le portrait du berceau du mouvement skin, on a donc l'immigration jamaïcaine, la classe populaire ouvrière anglaise, le reggae et le ska, bien sûr, mais également la pauvreté, la solidarité et certaines revendications politiques. À savoir que les skins, sans nécessairement se revendiquer communistes, en adoptaient souvent les idées, il me semble.
Et à ce mouvement skin, là aussi, va venir se greffer une mode vestimentaire et capillaire. À savoir, là, dans les années 60, ce sera principalement des jeans ou autres pantalons serrés et retroussés pour laisser apparaître les boots, chaussures de sécurité, les grosses chaussures généralement montantes, des chemises avec des bretelles, des pattes. Donc quand je dis des pattes, en fait, vous savez, c'est la barbe là, qui part du dessous des tempes et qui arrive jusqu'en bas des joues en longeant les oreilles. Et les cheveux souvent coupés à ras. D'ailleurs, en anglais, skinhead signifie crâne rasé. Alors là, dans tout ce que je dis, je risque de dire deux, trois petits cafouillages. Donc voilà, pour ce petit survol rapide du mouvement skin, qui fait partie, selon moi, des racines de ce qui créera ensuite, quelques années plus tard, le mouvement punk. Et tiens, petite anecdote avant de refermer ce chapitre. Si tu suis la chaîne, tu m'entends souvent dire « oi » au début des vidéos. Bah alors, qu'est-ce que ça veut dire « oi » ? En fait, « oi », ça vient justement de cette époque-là. À savoir, les ouvriers anglais, quand ils s'interpellaient entre eux, ils se disaient « hey you ». Donc « hey » en français, c'est « salut », « you », « toi ». Donc en gros, « salut-toi ». Et dit rapidement et de façon contractée, « hey you » s'est transformé en « oi ». Donc c'est de là que ça vient, et c'est encore utilisé aujourd'hui par les punks, les skins notamment, voilà, c'est une expression qui est restée. « Oi ». Et juste un dernier petit point, mais non pas des moindres, si vous faisiez vous-même ce raccourci « skin » égale « facho », c'est pas non plus très étonnant. Parce que le souci, c'est que bien des années après ce dont je vous parle là, il y a effectivement eu des bandes de néo-nazis, de fascistes, qui ont détourné le mouvement en se revendiquant skin, en s'appropriant le style vestimentaire, sa culture musicale, etc. Et malheureusement, de nos jours, c'est vrai que quand on ne connaît pas bien toute l'histoire, toutes les racines du mouvement skin, ce qui est fort possible en France, vu que tout ce que je vous ai raconté là se passe en Angleterre, hein, je vous rappelle, et bien malheureusement, c'est ça qui va ressortir le plus. Parce que c'est ces gens, avec leurs actions violentes et leurs idéologies extrêmes, qui se font le plus remarquer, finalement. Et qui font le plus parler d'eux. Et vu qu'eux-mêmes se revendiquent skin, et bien c'est ce raccourci-là un petit peu que font les gens. Mais on reviendra là-dessus plus tard, quand on aura un peu avancé dans le temps tout à l'heure. Enfin voilà, en tout cas le principal c'est que si vous ne le saviez pas, eh bien maintenant vous saurez qu'à l'origine le mouvement skin ça n'a vraiment rien à voir avec le fascisme, puisque comme je vous le disais, ça vient d'ouvriers anglais d'origine jamaïcaine. Donc vraiment rien à voir avec ça à la base.